Salut, salut! Yambiwiz, nouvelle vidéo. Présentation de mon nouveau casque. Un Roof Boxer V8 Suzuka. Suzuka. Je ne suis pas fou. Voilà. Je l'ai acheté d'occasion. J'achète pas mes casques sur internet hein, parce que lui coûte plus de 400 euros. Donc laissez tomber. Moi, je vais pour la maudite somme de 180 euros, les neufs. Pratiquement, c'est une occasion. Mais franchement, le mec, il en avait plein. Donc. Son père était motard, son fils était motard, ils étaient tous motards dans la famille. Ils ont tous revendu leur casque. Bref, il est nickel, rien à voir au Shark. Parce que le Shark, franchement, un danger public ce casque. Hein. Je ferai une autre vidéo dessus où je comparerai les deux. Je ferai une petite comparaison. Donc voilà. Hein. Moi, ce que je kiffe dessus, pardon, c'est les cornes, les petites cornes. Par contre, c'est hyper fragile. T'as juste à faire ça un peu trop fort, t'as que ça se pète. C'est ce qui m'est arrivé quand j'ai voulu rebaisser ça là, par exemple. Attendez. En gros, ça là, j'ai voulu rebaisser devant. En gros, ça va devant, vous voyez bien. Et ben voilà. S'il est mouillé, c'est qu'il n'y a plus. Hein. Mais en voulant faire ça, là, j'ai tiré par là et il s'est pété. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis du scotch, le scotch noir, de la glue. J'ai laissé reposer, j'ai remis du scotch de la glu, j'ai fait fondre avec un briquet pour que ça prenne la forme et tout, et franchement, bah nickel, ça tient. Donc voilà une petite astuce au cas où si vous avez le même casque et ça pète. Donc là il est mouillé, je vais le nettoyer si vous voulez, je sais pas, je vais le nettoyer avec vous ou sans vous, on verra combien de temps ça va durer. Donc déjà il est hyper confortable, j'ai essayé de mettre mes écouteurs, j'y arrive pas, donc pour les écouteurs ça va être chaud, donc je vais essayer avec le micro de la GoPro, mais ça va être chaud aussi, je vais en acheter un. Les aréations, je sais pas comment on dit, bref. Tac, ça ouvre devant, derrière. Voilà, vu qu'il pleut, je vais laisser fermer. Ici, de ce côté-là, on a ceux qui sont là, là. Vous voyez? Au niveau de la bouche. La tête quoi. La visière c'est pas une teintée, c'est une semi-teintée. Ce qui est bien parce que la nuit avec les teintées on voit rien, on voit pas la lumière, on voit rien, donc c'est super dangereux. Donc le char franchement il est hyper dangereux, je vous le déconseille comme casque. Super confortable, il fait jet, modulable et tout, les hards. Franchement je suis content, en plus il est pas mal. Hein. Donc regardez, hein. Prix taille L. Je vais le refermer pour que vous voyez bien. C'est une vidéo bref, hein, vous me connaissez maintenant. Je ne suis pas spécialiste de vidéo, mais je pense pas que je serai un jour. Donc voilà, après il me suffit juste de clipser. J'ai enlevé le flash, hein, c'est normal. J'ai bientôt plus de batterie. Donc elle va être bref. Là on a juste à clipser et tant que ça s'enlève plus en fait. Donc voilà. Coucou. On a juste à le remonter. Bref, c'est franchement nickel, rien à dire. Vous avez vu les aréations? Franchement, c'est un joli spécimen. Hein. Moi, je l'ai eu pour 180 euros. Franchement, vous voyez bien qu'il est neuf. Hein, il n'y a rien à dire. On va fermer tout ça. Voilà, là, je vais le nettoyer. Vu que j'ai plus de batterie, je vais pas faire un nettoyage avec vous. Donc, si vous me voyez, bah, tant mieux. Hein. Voilà. Je vais faire une vidéo juste après. Je vais faire plusieurs vidéos là ce soir. Je vais revenir en force. Je referai une vidéo sur le roof et le shark en même temps. Là, c'est juste une petite vidéo pour vous dire que j'ai changé de casque. Allez, ciao!